Le mondial de la coiffure bat son plein jusqu'à ce soir, Paris Porte de Versailles. C'est là que vous trouverez évidemment toutes les innovations du métier. Mais pour ceux qui ne peuvent pas pousser la porte d'un salon, eh bien des entreprises ont imaginé, Elisabeth Assayag, qu'ils puissent tout simplement venir à nous, notamment en hôpital ou en maison de retraite. Tout à fait, c'est Clémence Souquet qui a trouvé la solution. C'était en 2011 et vous avez ouvert une chaîne de salons de socio-beauté. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors vous avez passé des années dans des grands groupes et vous avez décidé de vous lancer dans la création d'entreprises. Vous avez créé des bulles de beauté, hein, c'est comme ça que vous les appelez, pour les personnes âgées, les personnes malades dans des maisons de retraite ou dans les hôpitaux. D'où vient cette idée de coiffeurs socio-dépendants? Puis c'est quoi le coiffeur socio-dépendant? Alors, nos aînés vivent de plus en plus longtemps, ils sont de plus en plus âgés, donc il y a un réel besoin en silver economy. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de gens, et je pense qu'autour de cette table, vous allez être d'accord avec moi, de coiffure ratée, et donc c'est un drame. C'est vraiment de dire j'ai des trous dans la nuque, je voulais un wavy, j'ai des frisettes, j'ai 99 ans et je me retrouve avec une baby frange. Donc là c'est pas possible, donc j'ai décidé de prendre les choses en main et de créer des espaces beauté dédiés aux seniors. Frésia, c'est ça, c'est le nom de votre marque aujourd'hui. Comment est-ce que ça se passe? On vous contacte, on a un site, vous qui faites les démarches envers les hôpitaux, envers les maisons de retraite, envers les EHPAD? Alors effectivement, à l'intérieur des maisons de retraite, des hôpitaux, nous avons créé des vraies bulles beauté, des espaces beauté qui sont dédiés aux seniors. Donc tout est pensé pour eux en termes de mobilier, d'ergonomie et surtout en termes de cosmétiques. On choisit principalement des produits éco-consciencieux, on est pro-naturalité, des couleurs sans ammoniac et nos protocoles sont raccourcis parce que notre clientèle est dépendante. Certains ont des troubles cognitifs, ont des maladies type Alzheimer ou Parkinson et du coup elles ne peuvent pas rester pendant 2 heures au sein du centre de coiffure. Et alors comment réagissent ces personnes quand vos équipes viennent les coiffer? Parce que j'imagine que c'est un moment totalement hors du temps, un peu à part hein, au milieu de cet univers médicalisé. Comment réagissent-elles? Alors c'est exactement ça, on appelle ça de la thérapie non médicamenteuse. C'est l'idée, c'est de les faire sortir de leur chambre et de les emmener dans la vie. Et donc elles réagissent plutôt bien et elles ont besoin d'être lookées, c'est hyper important. On a des histoires d'amour en maison de retraite, des belles amitiés. Et du coup c'est hyper important pour elles d'être bien coiffées à l'heure du déj ou le soir. Et puis en plus ils font beaucoup d'événements. Encore une fois, les maisons de retraite ne sont plus du tout des salles d'attente de la mort. Sont des espaces de vie où on promeut la bienveillance et le bien-être des résidents. Et quel est le retour de vos clients? Donc du coup les institutions, une fois qu'elles vous ont installé, vous en avez combien à ce jour? Et quel est le retour des clients de l'institution qui dit bah voilà, j'ai le service chez moi, est-ce que j'en suis conscient ou pas, content ou pas? Quel est le retour qu'on fait? Alors aujourd'hui, j'interviens de Paris à Cannes, donc mes socio-coiffeuses et mes socio-esthéticiennes interviennent dans ces bulles beauté. Les retours sont plutôt positifs. J'ai tendance à dire que 99% de résidentes ridées mais radieuses. Donc on fait des enquêtes. C'est pas plutôt positif, c'est très positif. 99%. On a plutôt des bons retours sur les enquêtes de satisfaction. En fait, c'est vraiment le message, c'est rester digne mais rester belle. Et bon, alors je parle beaucoup des femmes parce que la population. Nos clients sont principalement des femmes puisque la longévité est de 84 ans pour les femmes et 78 ans pour les hommes. Je suis désolée pour vous. je vivrai 7 ans de plus que vous. Ah bah écoutez, on va oui, on en parle au café. Ça change, ça peut bouger encore les lignes, vous savez. Sûr. En tout cas, ça s'appelle Frésia et c'est pour nos grandes tantes, nos mamies. Et nous, bien sûr, hein, puisqu'on sera concernés d'ici quelques années, Frésia, F-R-E-E-S-I-A, c'est ça? Exactement, www.frésia.fr. Merci Clémence Souquet d'être venue nous en parler.